Ok. Là, je les ai pareil sur cette dip. Bon, après, là, cette dip, normalement, elles sont censées être. En bleu. Ouais, les deux, j'aime bien. J'aime bien le marron aussi, moi. Ah, hop. Un gros boost derrière. Là, parfait, il m'envoie la balle. Là, je pop la balle. Je pense que lui va me challenge assez vite. Oh, c'est de la merde ce que je fais. C'est de la merde, tu vois, mais derrière. En fait, premier degré, mon play est nul, tu vois, je le rate. Mais. Déjà, je recover assez vite. Et ensuite, dans tous les cas, en fait, faire un play comme ça fera en sorte que les mecs en face auront jamais la possession du ballon parce qu'ils sont obligés de pré-jump quand même quelque chose. Donc là, bon. Mon play est raté, mais derrière, il est assez géré pour que je puisse. Là, pareil, je garde le contrôle de la balle. Hop. On va balle de l'autre côté. La Rizard se bat dessus, l'autre jump comme un débile. Là, je me mets mid pour donner une possibilité. En vrai, le mieux, c'est qu'il me fasse pas la passe. Voilà, l'autre, il veut commit, il joue en 50. Là, je joue pas en 5... Là, j'ai joué en 50 maintenant. Et si je le joue avant, il allait m'avoir. Là, je prends le mid boost, il est pas là. Là, ça m'a aidé dessus. Je fais un pop. Pas besoin d'essayer de faire un gros tir, ça sert à rien. Si je fais un gros tir, bah, je vais commit pour rien. Alors que là, juste, je joue une balle pour recover derrière. Là, pareil, c'est rien de commit, il a pas de boost. Hop. Je prends le bush commit, je suis derrière lui, j'attends la touche de Rizzears. Beau tir, mais un peu risqué. Là, je sais qu'on a l'avantage, toujours. Donc, je continue l'attaque. Là, c'est rien d'aller challenge, je back direct. Il se fait passer, je peux fake. Là, le mec en face est un peu de la merde, j'attends qu'il revienne. Je fais une touche pour contrôler. Aga qui est de la merde. Là, hop, je suis une touche derrière parce que je vois qu'il est loin. Je pourrais. Si je fais autre chose, ce sera de la merde. Bon, là, my bad. Là, je fais X50. Oh, c'est quoi ce truc? Ça m'a fait faire n'importe quoi avec la hauteur. Là, je prends des pads, je m'écarte du play au cas où il se fait passer, comme ça au moins j'ai de l'espace. Comme ça derrière, après je peux prendre de la vitesse pour challenge. Là, faut qu'il challenge vite. Parfait. Là, j'attends derrière, je casse la balle. Là, c'est lui qui a le ballon, je prends le boost, j'attends de voir ce qu'il fait. Je vois qu'il fait un mauvais contrôle, j'y vais. Là, je sais qu'il va l'avoir, donc je me positionne à peu près vers là où il va l'envoyer. Je vois que Rizzears est positionné, je lui laisse la balle. Il fait son play. J'attends derrière, pas collé au ballon comme un certain Rio. Là, je peux me setup ma balle. Je vois que lui, je sais pas s'il va me change direct. Là, il y a un mec mid, donc je sais qu'ils peuvent bloquer la passe. Là, je fais la passe maintenant. Mon pote a mal tiré, c'est dommage. Là, je fake challenge, comme ça, il est un peu en panique. Là, je refake challenge, je me redonne la balle. Là, j'envoie le ballon là-bas parce que je sais qu'il prend le boost, du coup, il peut contrôler le ballon sur le mur. Là, j'attends un peu en dessous derrière lui si jamais il se fait dunk. Là, je vois qu'il est toujours devant, du coup, je claire la balle. Là, il y a un 1v1 Rizzears contre Geek. Dommage, Geek fait une belle save. Là, je refais challenge parce que je suis last defender. Là, j'attends derrière. Là, il rate son challenge, c'est un peu de la merde. Là, pareil, j'attends toujours derrière au cas où il se fait dunk. Là, Gumball va les tuer, c'est sûr. Je joue en 50. Je check à gauche, je vois qu'il est loin, du coup, il peut pas me challenge. Si il me challenge, c'est de la merde. Là, je backflip, j'ai le seum. Ouais, je suis débit. Et là, je vous dis tout ce qui se passe dans la game. Le gros boost derrière, je vois qu'il se fait dunk, je peux pas aller tuer, il est trop loin, j'attends derrière, j'attends de voir s'il peut la mettre sur le mur, il peut pas, il fait un fake challenge là, c'est mon pote d'y aller. Là, je saute dessus, en vrai c'est pas grave s'il me passe parce que l'autre il est pas là, il y a free control de balle de l'autre côté plus boost. Excellent, il y a un 1v1. Là, trop risqué d'essayer de la tirer, juste je touche la balle. Si je la tape pas c'est nul, si je la tape trop forte c'est nul. Hop, je prends le gros boost derrière, j'attends son play. Là, je fais un pop bien haut parce que c'est trop dur de contrôler la balle, elle va trop vite. Là, je bloque le 50. J'arrête ici. Hop. Là, pareil, je suis derrière. Je prends des pads. Trop risqué d'aller dessus. Là, ça sert à rien d'aller dessus, c'est trop risqué. Hop. Là, je lui deny le boost. Yeah. Là, tape ici. Oh, c'est pas grave. Là, je peux pas y aller. Dommage que Rizzears, là, prend un petit peu le play. Là, son play, c'est de la contrôler. Hop. Non, là il y a open, s'il tire bien, mais c'est dur. Là pareil, cette balle là, on la tire pas, pourquoi? Parce que c'est trop risqué. Là on va y aller, on joue un 50. Là lui on essaye de le démo, si on le démo c'est but probablement. Et ça va, les safe qui fait. Là on prend le boost, je sais que mon pote va arriver, mais c'est trop risqué. Hop, là je contrôle pas sur le mur, parce que sinon je me fais démo par le mec qui est derrière. Enfin, pads. Là je me suis fait bump, là il me fait la passe dessus. Là, je joue de speed et c'est but. Ok, là tu vois, erreur un peu de ma part. Bon bah erreur de sa part à la toucher. Là, je bump le mec, c'est free. Je sais pas s'il peut la marquer.
Backflip, je sais, mais ça va fumer. Hop. Un petit pop. Hop, on s'en bat les couilles de ce qu'il fait. Tu vois, même là, il me passe, on s'en fout. Hop, après, je le fais chier. Là, je back, il a donné la balle, mon pote, là. Et même s'il l'a pas, tu vois, c'est pas dangereux, c'est pas... Hop, je contrôle la balle. Là, je vois qu'il va pas dessus, du coup, ça a rien de la continuer. Dommage. Je vais dire excellent. Là, je suis premier à affronter. Hop, je fais challenge, je me mets dans la position de là où il va faire la passe. Derrière, après. Excellent. Voilà, comment faut jouer une game. Rizir, quasiment pas d'erreur cette game. Ferepic, quasiment pas d'erreur cette game. La game est clean. En face, ils ont aucune chance de mettre un but de la game. En attaque, ils ont fait des saves de fou furieux en défense. Et Rizir aurait dû marquer limite 2 ou 3 buts de plus. Au final, juste on a joué de manière correcte. Y a rien à dire. Mais la game est clean. Vous voyez, en fait, il y a trop de trucs qui se passent. Et je vous dis, pour ça, parfois, il y en a, vous comprenez pas. Genre, parfois, je dis, il y a une erreur. Et vous me dites, non, mais là, c'est toi qui as raté la balle. Ou, non, mais il y a ça. Je vous dis, il y a trop de trucs qui se passent dans la game. Parfois, je vous jure, c'est trop chiant, en fait, quand il y a des erreurs nulles de temps en temps. J'ai rien compris, recommence. Ah, ça épuise un petit peu, je referai pas ça chez game. Des trucs comme ça, c'est trop plaisant. Non, en vrai, je vous jure, ça me tue. Pour aller tout le long de la game comme ça, tout le temps et tout, je. Ça paraît pas comme ça, mais c'est. Ça tue. Et les games, tu penses comme ça à ta tête? Bah oui. Après, je les pense, mais sans les penser, tu vois, c'est des pensées, genre, vraiment instinctives, limite, maintenant. Genre, de ma game, je me dis pas exactement ça tout le temps, mais tu vois, en fait, c'est comme si je me le disais. Dans mon subconscient, c'est ça, tu vois. Et c'est comme si je me le disais, au final. Mais, c'est... Et c'est pour ça que dans une game, quand... C'est pour ça que dans une game, quand je commence à jouer la game et que je vois que mon teammate, tu vois, 2-3 fois d'affilée, il redonne le ballon au lieu de la contrôler ou un truc comme ça, bah juste, ça me donne envie de mourir. Et aussi, tu vois, plus ton teammate fait des erreurs de... Et tu vois, par exemple, là, le commentaire que je vous ai fait, typiquement, c'est... Ce que Rizir se faisait, tu vois, c'est des erreurs que les... C'est des erreurs que les mecs à 2000 en général font très souvent. Genre là, Rizir, tu vois, c'est un très bon joueur, donc c'était sûr, il allait pas trop faire d'erreurs. Mais c'est des erreurs que les mecs à 2000 font beaucoup parfois. Facile. Et en fait, juste, c'est trop. Tu sais, quand il redonne la balle une fois alors qu'il doit pas la redonner, qu'il est mal placé à un moment alors que. Merde, ça m'aide. Oui, bah désolé. J'ai raté mon commandement, mon challenge. Je sais pas comment il a pu recover de ce truc-là. Une bombe direct. Et toujours pour Atomic. Ouais, il team avec... Tox et... je sais plus c'est qui le dernier. Steezy. Ah putain, j'arrête pas tout. Ouais, Atomic, ouais, dis-moi en plus. J'ai pas de boost. Ah ouais, c'est touche de ballon. Là, en vrai, tu pourrais penser que je la redonne. Mais en vrai, tu vois, c'est une touche de ballon qui fait exprès que c'est chiant pour les mecs en face d'aller la chercher. Plutôt que de la redonner... toute droite. Chiant, ça. C'est but. Le truc de la redonner de manière normale et droite, tu vois, c'est bien de la redonner avec des balles chiantes. Putain, il m'a vraiment fait que le play là-dessus. Ouais. Touloulou. Ça y est, c'est déjà ces mecs ou quoi. C'est dommage, d'album, je crois que c'est pas dedans. Ouais. Alors, d'album, c'était un bon play, mais fallait que c'est. fallait que le tir soit cadré de base.
Et saisi. Putain. Ça par exemple, la touche de Nico, là, c'est tellement de la merde. En vrai, ça paraît pas comme ça, hein. Ça paraît anodin, mais... Regardez, je vous jure, la touche de Nico, si... En fait, là, comme ça, vous pourrez vous dire... Genre, tu vois, en fait, ça peut pas être anodin. Sa touche donne le but. Voilà, l'idjit, sa touche donne le but. Parce que sa touche, tu sais pas pourquoi il la touche et il la met pas dans le petit truc en bas pour que ça remonte. Ou alors qu'il fait une petite double tape, ou alors qu'il la joue slow pour qu'on puisse pas avoir un play derrière. C'est sa touche et elle donne une free pass sur atomique. Into free shot. On va dire ça. C'est plus le miss de Reezers qui donne le but. Mais non, je vous jure que non. Alors le miss de Reezers, effectivement, c'est pas non plus le truc de... Genre c'est une petite erreur, mais derrière, après, en soi, Nico, il a pas à toucher la balle. Yo, Ed Serban, merci beaucoup pour le prime. Bienvenue à toi, mec. Il a pas à toucher la balle. Soit il touche pas la balle, il fake, il back. Soit il touche la balle, mais il la touche de façon à ce qu'on puisse pas la récupérer derrière. Là, il a fait une touche, elle a été horrible, je vous jure. Très très nul ce que j'ai fait. Le bond, s'il n'était pas horrible, c'était but. Pas but. Ah. C'est dans le bound, le bound, c'est... Le bound, c'est chiant, mais en fait, le bound, c'est chiant à cause de Nico. Reezers, il a un read trop dur à faire. C'est normal, il a un read trop chiant à faire parce que... Ah, oh, c'est mieux ce que je veux. Il a un read trop dur à faire parce que l'autre fait une touche de merde avant. Mais tu vois, c'est, en fait, c'est ça le truc, c'est... Ouais, celui-là. Alors là, penser que c'est la faute de Reezers qui a le but, c'est... Je l'ai dit avant même qu'il y ait le but, hein. Je l'ai dit, là, tu vois, sa touche, elle est nulle. Il y a eu but juste après. Même si, de base, ça aurait probablement pas dû être but, ça aurait dû être une grosse action pour nous, quoi. Bon, j'ai pas le temps, merci. Ah, j'ai pas le temps, j'ai des games à grind. Et tu veux dire, dans le sens où Nika fait Nicolas. Il a des, et du coup, il se retrouve. Bon, en fait, c'est ça. Le Nico, il fait un play nul, qui paraît pas comme ça, mais c'est vraiment un play horrible en vrai. C'est juste que c'est pas un miss, c'est pas un truc genre à l'apparence horrible, mais de base, c'est horrible. Et après, bah. En fait, l'autre, il est dans la merde, tu vois. Genre Atomic peut très bien faire un reset, me faire la passe, faire un dribble sur le plafond, faire un dribble sur le mur, jouer un 50. Il peut faire tellement de trucs. Le petit Nicolas. Ça regrind. Voilà, ça regrind un petit peu, ouais.